on adore faire de la bière. Et c'est un métier passionnant pour plein de raisons, mais c'est vrai que on s'en sert pour pouvoir parler des sorcières, de féminisme tous les jours. Tout le costume de la sorcière d'Halloween d'aujourd'hui vient des femmes brasseuses anglaises. Elles avaient des chapes pour éviter les souris. Elles brassaient dans des chaudrons. Elles mettaient un grand chapeau noir pointu pour se faire repérer sur les marchés où elles allaient vendre leur bière. Et elles mettaient une gerbe d'orge pour signifier que la bière était prête sur leur porte. C'est pour ça que notre logo, c'est un chapeau et un balai. Les femmes ont été dégagées de toutes leurs activités professionnelles. Pour quelles raisons ? Les femmes se sont fait accuser de sorcellerie, les femmes qui brassaient, parce que ça les rendait indépendantes. Il n'y a pas une femme en Europe qui n'a pas une ancêtre qui a été au minimum accusée de sorcellerie. C'est un féminicide à grande échelle. L'idée étant de rappeler cette histoire et surtout de ne pas l'oublier et surtout de la faire connaître. Du coup, c'est plutôt une arme conviviale, une arme d'apéro, quoi. Mais oui. Parce que sur les étiquettes de nos bières, il y a un petit texte. Nous brassons chacune de nos bières avec une d'entre elles. Dans cette bière, il y a une sorcière.